Bonsoir à toutes, à toutes, enfin bonjour, parce que plus bonjour que bonsoir, c'est que 4h, mais que 16h30. Nouvelle petite vidéo, oh, en ce dimanche 30, alors on est déjà à la fin, on est déjà fin janvier. Quand je vous dis que janvier, février, mars, c'est les 3 mois qui passent hyper vite, donc on est déjà fin janvier. Donc comme je disais, petite nouvelle vidéo de recette. On va faire des tiramisu ananas. Donc il y a les œufs, j'ai préparé le sucre, j'ai préparé. Plus important, le plat, bien sûr. Le petit sucre vanillé. Comme je disais, le sucre. Donc c'est moitié-moitié. C'est mon ananas frais que j'ai ramené du travail. Plus l'ananas industriel que, comme j'avais pas de jus. Enfin, tu me diras, si j'aurais pas eu de jus, j'aurais acheté un petit truc de jus d'ananas. Ça aurait été pareil. Donc le jus d'ananas, il est là. Donc, je les ai bien égouttés. Mon petit mascarpone de 250 grammes, j'espère qu'il y aura assez. Et mes œufs. Alors, on va. Il faut le rhum. Il faut du rhum. Il faut aussi. Il faut aussi mon appareil. Je vais le tester. Donc je ne sais pas s'il va faire beaucoup de bruit ou pas. J'en sais rien. Hein. Je ne le connais pas. Hein. Donc voilà, je vais l'essayer. Ah, il est beau. Il est beau, mon bébé. Un petit bisounet, mon bébé robot. Alors, je crois. Voilà, c'est comme ça. Voilà, on va enlever ça. Ça, j'ai pas besoin. Voilà, on va quand même passer un petit coup de propre dedans, quand même. Hein. Même si. Même s'il est propre. Hein. De toute façon, dans tout domaine, il faut toujours passer un petit coup de propre. Voilà. Toc! Par contre, il faut que je le mette bien dans un endroit où que je l'ai bien en face là. Bon, je pense qu'il va un petit peu, il va un petit peu machiner parce que la table, elle est comme si une vieille table. La table, c'est quand même pas. Et vas-y, ça retombe encore. Vas-y, Nénès. Ça, c'est tous les produits tombent, produits finis qui tombent. Ils en ont marre. Alors, par contre, voilà, faut que je me rappelle parce que ça fait longtemps que j'ai pas réutilisé d'appareil. Mais j'ai pas besoin, c'est dans la tête. Donc normalement ça devrait être machiné, voilà. Hop. Donc ne vous inquiétez pas, je vais prendre soin. Je vais pas l'abîmer, ni le casser. Une fois que je l'aurai bien en main, bah c'est bon. Hein. Comme je le dis, hein, ça fait des années que j'ai pas refait de pâtisserie. Donc les appareils, j'ai un petit peu oublié, ok, normal aussi, hein. Même si j'ai encore la base de la pâtisserie. Heureusement, j'ai pas tout oublié.
Hop, donc ça, on va l'allumer, on va mettre ça là. Ah, mais c'est fait bobo. C'est fait bobo. Voilà mon magnifique robot. Ta 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 ta. Ensuite, donc, on va pas oublier la Maryse, bien sûr. Comme on a dit, on va séparer les blancs des jaunes. Donc les blancs dans le bordel et les jaunes dans la hanne sanadien spinfoué. Voilà, ça a dit celui-là. Après, on s'en fout, hein, c'est moi qui fais la vaisselle. Hein. Ah, par contre, faut que vous puissiez au moins regarder au moins. Voilà. Donc, on va mélanger. Hop. En essayant, bien sûr, de pas mettre du jaune dans les blancs. Faire très attention. Hop. Tu feras un gros sac de jaune comme ça. Il y a trois jours. Moi j'ai pas de. Me déconcentre pas là, parce que je suis dans mon métier il y a bien fort les temps quand j'étais jeune. Il y a trois longtemps. Bien fort longtemps. Il y a bien fort longtemps. Que je n'ai pas fait de pâtisserie. Enfin, si, j'ai fait les petits gâteaux comme ça, mais vraiment la vraie, vraie, vraie pâtisserie. C'est vrai, ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Que je n'ai point fait. Donc, moi, je mets 4 œufs. Je vais avoir un petit peu plus de. J'ai envie d'avoir un petit peu plus de. De machin. Hop. Ça va bien qui est planqué là. Donc on va essayer le petit machin là. Ça me tente aussi ça. C'est quoi? Pour faire monter, pour faire bien blanchir. Enfin, tu peux dire, je peux le faire à la main aussi, mais déjà, faut que je le retrouve. Je sais pas où il est. Et où le bordel? À moins que ce soit celui-là. D'accord. Ah oui, Aïe! c'est vrai que t'as celui-là aussi. Oh, le bordel. Plus tu ranges là-dedans, plus t'es... c'est le bordel. Il est pris dessus. Ça, on me l'avait offert. Oui. C'est qui? Je sais plus si c'est. C'est bizarre, il y a le prix dessus. Sauf que tu n'as pas, on l'a pas acheté. Mais. Là, il y a le prix derrière. Ah, si, c'est moi. Action. Ouais. C'est moi. Ah oui, c'est pour ça C'est moi qui avais pris Action, je on m'en n'a rappelais. pas eu le prix autrement. Je m'en rappelais même plus. Je pense que c'est Action. Oui, bah oui, c'est Action. Franchement, je m'en rappelais même plus que j'avais ça. Si, pour moi, tu m'avais parlé la dernière fois. Donc, ça, c'est pareil, hein, ça fait bien fort longtemps que. Bah, je m'en. Bien fort longtemps Comment il s'appelle qui dit ça? C'est. que je m'en suis pas servi. Enfin, je m'en suis. Je m'en. C'est mon papy Brossard qui dit ça. Ni à m'en servi. Donc il est tout neuf, hein, bien sûr. Hein. Il y a encore dans les trucs, dans le plastique. J'avais pris en noir parce qu'il était soit noir ou blanc. Mais j'aime pas le blanc. Pas le blanc. J'aime bien le blanc, mais le blanc c'est trop salissant. Bah, je crois que c'est comme ça. Ouais. Puis après pour les enlever, bah pour les machiner.
Ça, normalement, c'est pour les. Voilà. Ça, c'est pour les enlever. Ah, voilà. C'est bien ce que je disais. Le gros bouton, là, c'est pour les enlever le bordel. Tu as le truc de 1 à 5. Et ça, c'est pour quand tu appuies dessus. Et ben, ça fait. Bien sûr, pas mélanger. Alors moi, j'ai pris la table avant tout seul. Me suis pris la tabac, moi tout seul, yeah. Et les copains, je commence à avoir un peu chaud là. Non? Trouvez pas? Je crois que je vais enlever tout ça. Désolé si je vous fais un striptease. J'ai trop chaud. Je vais me mettre en t-shirt. Puis ça va, j'ai pas froid aujourd'hui, ça va. Je reviens. Je me mets à l'aise. Donc bien sûr, j'ai été voir la vidéo de. Je sais que Rose a. Que Abby Rose l'avait fait aussi, mais j'ai pas retrouvé sa vidéo. J'ai pas retrouvé son truc. Par contre, j'ai trouvé celle de Tati Béa. Je sais qu'elle en avait fait une il n'y a pas très très longtemps, donc j'ai retrouvé sa vidéo. Et ben voilà. Donc j'ai visionné, j'ai un petit peu visionné. J'ai un petit peu visionné du sucre glace. Non, du sucre vaillé. Éveillé, vaillé. YouTube voilà, pas beaucoup, alors je vais le laisser. Bon, moi j'ai mis 75 grammes de sucre. C'est pas le blanc qui fait. C'est pas le blanc qui fait monter tout seul. C'est le sucre qui fait monter le blanc. Enfin, tu peux faire monter le blanc, mais ça va pas être pareil. Mais je sais quand tu. Mais grâce au sucre, c'est grâce au sucre que ton blanc remonte et qui tient. Donc ça va peut-être faire du. Ça va peut-être faire de bruit une fois, tu vois mort. Bah, j'espère que vous avez passé un bon week-end, parce que demain, ça y est, hein, c'est la reprise du boulot. Hein. Bon, on n'en est pas encore, mais. J'espère que vous avez passé un bon samedi, vous avez passé un bon. Un beau ham du dimanche une fois, tu vois mort. Alors. Il manque pas quelque chose. J'essaie de me souvenir sans aide. On va faire d'abord un petit peu à la main. Et après, je vais mélanger. Ça me semble bizarre, là. Pourquoi ça marche pas? Ok.
Wally en Wallon. Bah attendez, parce que je vois il y a un problème, je m'y blip là. Je suis avec vous, ne vous inquiétez pas, mais je suis en train de regarder un truc pour que. Non, ça on s'en fout d'elle. Hop, on dégage. Mais non, j'ai dit je m'en foutais d'elle. Voilà. Alors, 2 petites minutes. Hop. Déjà pour mon rhum. C'est parti pour la recette. Mon rhum, il est où le rhum par contre? Je verse moitié de sucre. Oh. Le rhum. Je garde l'autre moitié pour les boîtes. C'est parti. Et là le rhum. Le rhum. Le rhum. Je vais voir 2 petites minutes parce que je suis en train de. J'ai un petit doute là. C'est parti pour la recette. Je verse moitié du sucre dans les. Désolé. Je garde l'autre moitié pour les boîtes. Punaise! Bah si, c'est bon, c'est ça. Donc moi, je mets un bouchon. Mélange jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux Et un ou demi. suisse. Hop. Donc, dis, finalement, il y a un petit peu d'eau dedans. Ben non, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans le bordel. Donc. Mascarpone, j'ai mis le truc. Ça, 250 grammes normalement, ça devrait avoir assez. Bon, allez, valou. Donc, on mélange un petit peu avec. Avec le blanc. Pas dû prendre ce saladier parce qu'il y a un petit une petite pointe là devant là au milieu, ça me gêne un petit peu. Voilà. Je veux dire ton mascarpone, quand tu mets ton mascarpone avec tes jaunes d'œufs, faut bien remuer parce que des fois tu as tendance que
ça te fasse des grumeaux. Donc c'est pour ça, faut faire attention. Quand on fait de la purée moutine, on est sûr que tout le monde est content. N'utilise pas ton robot. Quoi? Bah attends, ça c'est le blanc avec les. Enfin, c'est le jaune avec. Avec l'appareil. Voilà. Papy, je peux lécher la casserole? Non! Donc voilà, mon appareil, il est prêt. Ça. Ensuite, on va attaquer le plus beau des robots. Mais. Alors. Posez magique. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. Mon bébé, mon petit bébé à moi, qui est le petit bébé à ton papa? Hein? Oh, il est beau le bébé. Bah oui. Oh, il est gentil à ton papounet. Hein? Oh, brave, tout brave. Voilà. Un blanc, ça se monte au fur et à mesure. Faut pas, c'est pas le mettre à fond et puis non. Faut le mettre petit par petit peu. Faut attendre 2-3 minutes. Et après 2-3 minutes, hop, tu remontes au fur et à mesure. C'est pour éviter de casser ton blanc. Ça, le blanc, il va se monter tout doucement. Il y a 5 vitesses. Tu
même pas où j'en suis là. Ah, je suis au 5 là. Ah non, il y a 6 vitesses. Là, le blanc il commence à monter là. Je sais pas si vous voyez. Là, le blanc il va être bien ferme. Tardé à couper, il a d'être pas mal. Pareil, on le descend tout doucement, délicatement. Voilà, on laisse reposer comme ça un petit peu. Pour que le haut soit bien remué en même temps. Voilà, normalement ça devrait se faire. Voilà, il est bien. Oui, il est bien. Il tombe pas. Je veux dire, le blanc, il est bien. Il est très bon. Ensuite, hop. Donc bien sûr, pas mettre trop de sucre, sinon après ça va être plus du un truc de mascarpone, ça va être du
Donc vous allez rire, vous risquez de faire de la meringue pour après en plus. Donc faut vraiment mettre vraiment la dose. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, bah déjà, voilà, déjà vous débranchez votre appareil, vous éteignez carrément. Voilà, vous essayez de. Et lourd, hein, machinalement. T'es contente? Tu veux goûter? Ça doit faire un bec, normalement. Oui. C'est ce qu'il dit Cyril Lignac. Hein. T'as vu, il y a les traces du truc. Oui, bah prends! Prends l'autre, un grand truc. Pour ça, tu vas mourir. Non, j'aime ça, mais désolé. Et ensuite, on met l'appareil dans le blanc. Voilà, bien raclé, pour pas qu'il y ait de perte, pour pas qu'il reste de l'appareil. Et comme moi j'adore ça, qui le tiramisu. Voilà, hop, on lèche la casserole. Et après on va remouate, l'appareil. On va remouate l'appareil, tout doucement, toujours dans le même sens, comme si vous faisiez un rond avec votre spatule. Bien raclé, bien sûr. Le fond. Voilà. Délicatement. Pour que le blanc s'imprègne de l'appareil. Voilà, quand on commence à dire mousseux, c'est normal. Pourquoi je vous dis un seul sens, dans un seul sens, c'est pour éviter de casser le blanc. Parce que si vous tournez dans tous les sens, vous risquez de casser le blanc. Et ça va faire de, bah, ça va pas faire joli, ça, votre appareil, il va être cassé. Donc pour ça, il faut remettre vraiment délicatement, bien racler dans le fond. Une fois qu'il est bien remué à la longueur, vous pouvez un petit peu accélérer le processus. Voilà. Hop. Bien remuer. Voilà, comme ça ton appareil, le blanc, il est bien mélangé avec ton appareil. Et normalement, tiramisu, ça te garde 4-5 jours, pas plus. Si après votre appareil, bah, il devient, ça va te faire de la. Ça va te faire de la fleur. C'est-à-dire le jaune va ressortir. Le jaune de tes œufs. Et voilà. Pas plus, pas moins. Bien sûr, vous goûtez. Il est super. Il est magnifique. Il est léger. De toute façon, après, quand une fois qu'il va être dans le frigo, il va durcir. Il va durcir un petit peu plus, donc ça va être encore meilleur. Hop.
Donc avec le petit goût de rhum que j'ai mis dans l'appareil, ça donnait un petit goût sympa. Donc voilà. Voilà mon appareil. Donc surtout, faut remettre dans le même sens. Pas remettre n'importe comment. Toujours remettre dans le même sens avec douceur et fermeté. Sinon, comme je vous dis, sinon vous cassez votre appareil. En même temps, j'ai envie de boire une Belaise. Femme. Chez nous, Willy, c'est l'homme et moi, c'est chez moi, c'est femme. Femme, veux-tu une Belaise, femme? Oui. Ah, mais bon, c'est fou que ça donne envie. J'ai un peu tôt pour l'apéro. Je sais pas, j'ai soif. Je sais pas, j'ai envie de me saouler la gueule avant d'aller travailler. Mais j'ai le droit de dire, j'ai envie de me saouler la gueule, il y a eu de mal. J'ai le droit, non? J'ai le droit de me saouler la tronche. Bonne bière en attendant. Oh, c'est même plus le tas de travail, ça. C'est je sais pas quoi. Lui commence à me saouler, lui là. Je vais te l'accrocher quelque part là, que je puisse l'avoir sous la main. Bon, c'est une petite bière mort subite 40%. Je peux prendre une Belaise. Après! Ah ben dis donc. Mais là j'ai soif, je sais pas quoi boire. J'ai soif! Bon, à la vôtre, hein. Tiens, tu veux goûter mon appareil? Pardon. C'est la bière hein, qui fait roter. Elle est bonne? Bon, allez, on va ranger tout ça, là. Hop. On va ranger et tout ça. Tralalilalère. Pour éviter. Oh non, ça se trouve que j'ai mis à la poubelle. C'est pas C'est pas grave. Quoi, tu cherches le chemin, mais c'est pas. Donc on va le remettre dans son plastique pour pas qu'il soit abîmé. Il est pas tombé par terre. Non, ça... Après, on va le remettre dans sa petite bobette. Voilà. Après, on mettra le. Oh! Après. Touche pas, c'est mon robot! Qui a moi? Guillaume, il est en train d'essayer son robot. Qui a moi? C'est où là? Elle a passé la cinquième vitesse là. Qui a moi? Qui a robot bobo à moi? C'est à moi, offert Papa Noël. C'est pas toi. Ah, tu touches pas. Non, te pète tes gueules, moi. Donne-moi une cuillère. Cuillère Une cuillère à machin, bidule chouette à la marche arrière. petite ou grande? Non, pas en ferraille parce que j'ai pas envie de rayer mon appareil à 6000 euros. Voilà, comme ça. Bah, il est là le truc. Donc, on va mettre ça comme ça, si vous voyez. Voilà. Ah, bah oui. Oh, moi je sens que je vais avoir une sciatique, donc demain je vais pas travailler.
J'ai mon dos qui est en train de me titiller là. Non, c'est pas demain. C'est mon bas du dos. Mardi, t'as déjà pris. Mardi, t'as pris aussi. C'est mercredi matin. Ouais, ils vont avoir mal, hein. Non, ouais, non, arrête. Hein. Ils vont soupçonner quelque chose. Hein. Donc, je pense que ça va être les mêmes boudoirs que Tati Béa a acheté. Je pense que ça va être les mêmes. Hop, hop. Voilà. Hop, hop. Voilà. Hop, hop. Voilà. Hop, hop. Hop, hop. Hé ! Voilà. Hop, hop. Hé ! On est à la deuxième partie. Moi, je le fais carrément dans un plat parce que j'ai pas de coupe. J'ai pas de coupe spéciale. Et comme déjà le frigo il est archi plein, alors je sais pas comment je vais faire. Hop, hop. Voilà. Ça fait un, deux. Et voilà. Donc celui-là, je pense qu'on va le couper en deux. Au moins, quoi, un petit deux. Hop. Voilà. Alors, bon, boudoir, un coup en avant, un coup en arrière. Faut qu'il soit ni trop modifié ou juste modifié en dessous et au-dessus c'est croquant, non. Mais non, c'est quand il m'a rasé. C'est avec la coupe. Il a mis ce coup tout de suite aussi. Ouais. Non, mais il s'est excusé, il a pas fait exprès. Mais oui, il a été chez le barbier. Faut pas qu'il soit trop trempé aussi, sinon ça va faire de la. Bah, ça va faire de la bouillie quand tu vas le prendre, ça tout va tomber dans le bordel. Comme ça là, elle est bien modifiée. C'est ça qu'on dit, hein, modifié. Non, modifié. Humidifié. Humidifié en dessous et au-dessus. Comme ça, quand on va le manger, bah, ça va pas être faire. Ça va pas être croquant au-dessus et mou en dessous. Ça va être vraiment les deux en même temps. Disons que sinon ça va être croquant au milieu. Et ça va être mou en dessous. Bah oui, mais il faut bien expliquer, sinon ça sert à rien. C'est ça qu'il faut faire. Tu vas m'apprendre. Donc ensuite, l'appareil. Dedans. Bah, tes ananas. Après. Ah bon? Une couche de truc. Ananas et une recouche. Non. Mm-hmm. Enfin, je sais pas, je fais comme ça. Si, bah c'est ça. C'est une spatule qui manque. C'est une spatule pâtisserie. Non, une spatule plate. Vraiment un truc de pâtisserie. Non, il n'y a pas, c'est pas bon ça. C'est ça. Non, c'est une pelle à tarte. Je sais, mais. Non, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Marie, c'est pas ce bon. Soir. Non, mais Marie, c'est juste pour rappeler. Ah, il y a celle-là. Elle est en bois. Non, c'est pas bon. C'est un truc tout plat. Vraiment tout plat. Je m'en apprends. Mais j'en ai jamais vu à Action, ce bordel-là. Peut-être, ouais. On va mettre de l'ananas. Bon, moi, bien sûr, j'ai mis un ananas entier, plus les autres, donc il va rester de l'ananas. Mais après, c'est pas grave. Après, je peux les faire un petit peu à la poêle avec un petit peu de rhum. Et à l'air Shabbat.
Bon, bien sûr, hein, pas hésiter de salir les mains, hein, c'est vous qui faites, hein, c'est pas le voisin. Donc même si vous avez un peu d'appareil dans les mains, c'est pas trop grave, hein. Donc pas hésiter à appuyer un petit peu pour bien que les fruits y rentrent dedans, parce que vous allez refaire une deuxième couche. Au pire, voilà, vous rincez les mains, tout simplement. Voilà, vous essuyez les mains, hop. Hop, vous remettez un petit peu de couche. Il faut en laisser pour quand vous allez faire la dernière couche. C'est juste pour cacher un petit peu le fruit. Voilà. Hop, ça c'est bon. Et c'est reparti pour un tour. Hop. Hop, on trempe. On met dedans. Ah, c'est bien, comme ça au moins les bouts de doigts ils vont se finir direct. Après, au pire, s'il en reste un ou deux, bah, je sais que Cécile elle va les manger. Elle adore ça. Toc, bien trempé. Hop. Normalement, il y a assez, normalement, j'espère. J'espère qu'il y a assez. Mais peut-être acheter du café. Bah, sans le cas, si je voulais faire un tiramisu à la normale. Si, hein. J'ai rien dit sur la recette. Déjà, c'est juste la normale. T'aurais pu faire une cuillère. Voilà. Ah, ça y est, c'est qui appelle? Ah, moi, ça soit moi, ça soit un... Ah oui, non. C'est Geoffrey qui me fait un appel. Voilà! Donc, il reste un petit bébé là. Et voilà! Tiens, je t'en ai laissé un et demi. T'as un demi là en dessous le. T'as un demi aussi. Bah, ce sera pour toi. Voilà. Donc, on va finir. On va remettre un tout petit chouïa, quelques-uns. Voilà. Ça, on va en mettre de trop non plus. Sinon, ça sera de l'ananas au mascarpone. Ça va pas être du mascarpone à l'ananas. Et
Voilà. Ce frigo, quand on va aller au frigo, bien sûr, il va, le truc, l'appareil va durcir un petit peu. Voilà. On racle le bord, toujours, que ça passe plus propre. Voilà, vous pouvez vous lécher les doigts parce qu'il n'y a personne à côté de vous, mais sinon, faut éviter quoi. Faut éviter de se lécher les doigs. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Oh, ils se lâchent les doigts. Non, 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 non. Voilà. Un petit truc de décor. Voilà, style. Voilà, toc, toc. Ti ta ti ta 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 ti la la la. Et voilà! Et voilà! Donc voilà. Donc là, je vais mettre de la poupoudre au chocolat là. Mais moi, j'ai le problème, c'est que moi, j'ai pas de tamis. Je vais prendre le chocolat à Cécile. Le problème, c'est que moi, j'ai pas de tamis, donc je ne sais point comment je peux faire. Je n'ai pas de tamis. Il faudrait que je pense en acheter. C'est ça aussi, ça, je devrais en avoir. Enfin, je devrais. C'est pas une obligation, mais une obligation. Mais c'est sûr, ça serait bien un petit tamis à la maison. J'ai rien. J'ai rien. Bon, allez. Par on va faire système MacGyver. Comme d'habitude. Hein. Hop, allez. Voilà. Comme ça qu'on fait. Système MacGyver. Même si t'en mets un petit peu partout, on s'en fout. On nettoie. Voilà. Cherchez pas un tamis. Tamis, on n'en a pas. Ah, pour mettre le chocolat. Voilà. Comme si je faisais de la peinture. Quand on n'a pas de tamis, ben on fait système MacGyver. Hein. Voilà. Et après, vous en foutez, vous nettoyez, hein, c'est tout. Hein. Vous êtes chez vous. Hein. Tiens, j'ai laissé un petit peu d'appareil dedans. Tu auras juste à racler avec les gâteaux. Avec un peu de. Mais si, tu peux racler avec le. Sinon, tu prends la tamise. Non, 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 c'est bon. Mais lèche la casserole! La casserole, oui. Mais là, ça, tu peux lécher. Il est encore plein. Oh, non. C'est trop sec avec les boudoirs comme ça. T'es sérieuse là? Oui, et non. Je préfère un gâteau. C'est exactement pareil, mais bon. Non, c'est pas pareil. Si, c'est pareil. Non. Parce que là, les doigts dans le jus, vers le mascarpone et tout. Oh, mon Dieu.
Donc voilà mes enfants, j'ai fait mon petit gâteau tiramisu, nanani naner. Voilà, ta 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 ta. Voilà, une bonne bonne plâtrée. Là, je sais pas combien de temps, là, pour moi 4-5 jours là. Ah oui, on va pas manger. Quoi qu'il y a ma fille qui vient demain avec Sandrine. Ah bah tiens, bah voilà, comme ça Sandrine et Mais Laura, elle avait des crêpes aussi demain. Sandrine et Laura, bah, ils pourront goûter à mon tiramisu maison. On a des crêpes aussi demain. Voilà. Ma fille ramène des crêpes. Donc voilà, il ne reste que plus qu'à tout nettoyer le bordel, hein, c'est normal. Tu as utilisé, tu vois. Ouais, quand tu fais de la pâtisserie, hein, c'est ça, c'est comme la cuisine, hein, tu t'en mets de partout. C'est tout à fait normal. Bah voilà. Bon, je vous dis bon appétit. J'ai perdu tout tôt. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo de Petrosa de tiramisu à l'ananas, donc n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important. Mais en ce moment, je sais pas, on était à 2381, hein, même pas 2382. Et on est redescendu à 2370, donc il y a un truc qui va pas. Ouais, non, mais je pense apparemment, que on est bloqué de chez bloqué. Que ça descend, ça remonte, ça revient. En fin de compte, ça fait 2370, après ça repart à 2378. 178. Non, 2382. Après, ça redescend à 2360. Je pense qu'il y a un problème. Ouais, il y a un gros souci. Ça se trouve, on est plus que ça, ça se trouve. Je pense que c'est un bug de YouTube, ça. Normalement, on devrait être déjà. C'est pas pour me vanter, hein, mais on devrait déjà être à 2400 déjà. Non, 2300. 2400 on ah devrait oui. être. Parce qu'on avait bien monté d'un coup, et après, ça, quand il y a. Le YouTube, il a commencé à avoir le bordel là. Quand ça a commencé à avoir des petits soucis, ça a tout bloqué. Donc là, je suis bloqué à 2370, alors qu'on n'est pas du tout à 2370, bah, non, on est à 2380 normalement. Deux. Ou deux, voilà. Donc ne fiez pas. Ne vous fiez pas au nombre d'abonnés qu'on a là, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. À moins qu'il y en a qui sont partis, mais bon. Je sais qu'il y en a deux qui sont partis entre temps, mais bon, tu vas pas me dire qu'il y en a. T'en as 10 ou 20 qui sont partis d'un coup, c'est. Qui est parti? C'est impossible. Bah t'en as deux des abonnés. Ah oui, l'autre là, qui sont des abonnés. C'est la même chose là. Elle, c'est des abonnés. Non, l'autre, c'est moi qui ai bloqué. Non, l'autre, t'as dit que on faisait toujours pareil. C'est la même chose, oui, bah elle est partie. Mais l'autre, moi, je l'ai bloqué. On faisait toujours pareil. Mais bon, c'est normal, c'est le but de la chaîne. Donc, de toute façon, bon. Il y en a une que j'ai bloquée ou un, je sais plus. Bon, on s'en fout, c'est une recette de pâtisserie, on s'en fout, on dira ça après dans la live. Quand on mettait tout le temps la même chose, elle est bloquée aussi. Bisous, on dira ça après. Bisous, à très bientôt et à une très prochaine pour une nouvelle recette. En tout cas, je suis très très content et très fier de mon petit robot. Là, la preuve, c'est que je lui ai fait des bisous, des câlins et tout, comme bébé, voilà, c'est mon troisième bébé. Bébé, voilà. Il a regardé le truc, l'engin, quand il est arrivé. Mon bébé, c'est cadeau pour papa. Attends, il mange croquette, là. C'est cadeau à papa. Donc voilà, tata Cécile Wico, ça y est, si tu vois la vidéo, ça y est. Tu vas pas me dire que je ne l'ai pas utilisé, la machine, hein. Je l'ai utilisé. Même l'autre, j'ai utilisé aussi, bah, même si c'est moi qui l'ai acheté, on s'en fout. Mais au moins, voilà, au moins, mais on mais voit. L'autre, tu l'avais pas utilisé encore. Non. On va pas dire que je l'ai. On me l'a offert, mais je l'ai pas encore utilisé. Si, maintenant, ça y est, c'est parti. Bon, bien sûr, je vais pas utiliser tous les jours non plus. Faut pas arrêter de dire des conneries, quoi. Je vais pas l'utiliser tous les 5 minutes non plus, quoi. Mais quand j'aurai l'occasion, oui, je sais pas ce que je fais. Quand j'aurai l'occasion, pour les produits finis. Quand j'aurai l'occasion, bah, quand je pourrai, bah, je l'utiliserai. Voilà.
C'est vrai, ce truc, ce petit robot-là, comme ça, c'est vrai, il est tout doux. Il a des beaux gigots. Hein, mon papa, et puis T'as pas comme ça avec tes bagues de là. Et sucre. puis là, un bon petit Il est là. cucu. C'est cucu à qui? C'est cucu à bébé? Bibi. Hein, mon bébé? Dis papa. C'est cucu à bébé Ah ou c'est oui, pas cucu à c'est bébé? quoi cet engin-là? C'est quoi ce nouveau truc? Ah Hein? mon bébé, tu veux monter? Non. C'est moi qui m'en. C'est quoi un nouveau copain? C'est un nouveau copain pour bébé? Hein? Écoute en bas. Bébé! Attends, il vient de manger les croquettes, il digère. Waouh, il met pas 3 heures pour digérer. Fais sa toilette, maman. Fais sa toilette. Non mais t'es sérieux, ça? Il vient de manger. C'est bien qu'un chat, quand il mange, il se lave après. Bon, ben voilà, je suis content. Et pour une fois, je me suis pas sali. D'habitude, j'en ai partout sur moi, mais là, rien. Ketchi. Ketchi, ketchi, des dents, les prix, rembourse de 10 à 10. Non, ben voilà, mes amis. Je vais vous laisser tout ça. Je vais nettoyer tout ça. Je vais ranger tout ça. Ouais, ce soir, je suis crâne. Traîne savate ce soir. Et lui, il était chez le barbier. Et j'étais chez le barbier, tout be, tout be, tout beau, voilà. Où allez, Walou? Il est content. Bah oui. Bah ouais, parce que je me sens Ah, plus c'est chez frais. le nouveau barbier. T'as pas dit que c'était chez le nouveau. Oui, le barbier, notre nouveau barbier. J'ai payé 6 euros, mais c'est pareil, je le ferai pas je ferai pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. C'est, je ferai vraiment de temps en temps, mais bon, parce que 6 euros à chaque fois aussi. C'est quand même un petit budget, même si pas beaucoup, c'est quand même un budget. Donc je le ferai vraiment quand j'aurai vraiment pas le courage de me raser et tout ça, que j'aurai une barbe comme ça, j'aurai pas envie de me raser, que j'irai. Mais sinon, ouais, je peux me raser à la main, je suis pas handicapé des mains hein, non plus. Hein. Donc voilà. Sur ce, allez, je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis au revoir, je vous dis à très bientôt, je vous dis ciao. Et je vous dis Kenavo!